Bonjour et merci de nous suivre pour cette nouvelle interview business autour de plusieurs questions d'actualité sur les entreprises africaines qui sont au centre des rencontres internationales politiques et d'affaires. Entreprises africaines et nouveaux défis, diversité des marchés, réseau, digitalisation sera au cœur de cet échange en vue de décrypter ces nouvelles exigences qui tiennent les entreprises africaines en haleine. C'est autant de questions d'actualité épineuses que je poserai à Doga Dogui, mon invité. Alors, Doga Dogui n'est plus à présenter. Il est président de la plateforme d'interconnexion Africa SMM Forum. Il est également ambassadeur du réseau d'affaires de renommée internationale Wuzme, également fondateur d'Africa Agora et des business meetings, des rencontres internationales d'affaires devenues indispensables. Bonjour Dogad. Bonjour Carmen, vous allez bien? Très bien, ravi de vous recevoir. Merci. Alors, nous allons commencer avec quatre blocs de questions. Je vais vous demander de répondre brièvement pour qu'on ait le temps de tout voir. Commençons par vous. Quelle est l'actualité d'Africa SMB Forum? Cette plateforme Africa SMB Forum que nous avons mise en place en septembre 2012, prépare pour septembre, pour la rentrée prochaine, la mise en ligne de son réseau d'interconnexion, de la plateforme web qui va permettre aux entreprises africaines de trouver en ligne les fournisseurs, les clients, les donneurs d'ordre, les financements partout dans le monde. Ok, alors nous parlons de réseau. Donc Africa SMB Forum est un grand réseau. Vous êtes également président de Wuzme, qui est encore un énorme réseau d'hommes d'affaires. Quelle est votre mission? Aujourd'hui, je suis donc le président de Africa SMB Forum et je suis un ambassadeur de Wuzme. Oui. C'est-à-dire que Wuzme c'est le One Union of SMEs, en français l'Union mondiale des PME, qui a été créée en 2010 par le chef d'État, l'ancien chef d'État de Saint-Marin, oui, qui est une république autonome enclavée en Italie. Mm-hmm. Et à partir de cette plateforme, aujourd'hui, il y a 150 ambassadeurs dans le monde. J'ai eu le privilège et le plaisir d'être nommé récemment représentant spécial de cette plateforme. Donc mon rôle, c'est de représenter Wuzme à la COP, aux institutions internationales, à l'ONUDI, à la CNUSED, aux Nations Unies, pour défendre la cause des PME. D'accord, défendre la cause des PME. Et comment faites-vous pour justement regrouper ces PME autour de vous? Je dirais que ça fait partie de mon histoire d'entrepreneur. D'abord, je suis d'abord un entrepreneur. Depuis 1996, que j'ai quitté le monde du salariat, je me suis mis à mon compte et puis je n'en ai plus bougé. Et étant déjà engagé, vous l'avez dit tout à l'heure, avec Africa Agora sur la diaspora africaine, depuis 1999, j'ai eu le temps de réunir, de rencontrer, de mobiliser des entrepreneurs, qu'ils soient africains en diaspora, qu'ils soient entreprises sur le continent, et qu'ils soient entreprises voulant travailler avec le continent. D'accord. Aujourd'hui, dans Africa SMB Forum, nous avons une base de 30 000 entreprises qui viennent de 52 pays. Ça veut dire qu'on a la capacité de savoir pour une entreprise polonaise, chinoise, chilienne ou française, quel est son meilleur contact, ses intérêts, ses introductions en Tanzanie, au Sénégal, oui, et au Maroc, en Côte d'Ivoire, au Congo. Okay. Donc, cette interconnexion, c'est, j'allais dire, un peu ma raison de vivre. D'accord. Et quelle est la place des femmes dans vos réseaux d'affaires? Wuzme et SMB Forum. Aujourd'hui, Wuzme est dirigée par une femme au niveau international. D'accord. Qui est donc la fille du président. C'est très bien. C'est très bien. Et puis, moi, j'ai toujours eu, j'allais dire, déjà par ma vie, moi, j'ai 8 sœurs. Hein, donc, je suis né parmi les femmes. Et j'ai toujours eu, dans mes différentes organisations, des femmes aux manettes. D'accord. Des femmes aux manettes qui ont pris leur place, hein, parce qu'il ne s'agit pas de faire une place aux femmes. Il s'agit de ne pas entraver les places qu'elles veulent prendre. Et aujourd'hui, moi je suis plus à l'aise à travailler avec des femmes. Je travaille avec tout le monde, mais avec des femmes, parce qu'on a une efficacité, il y a un travail plus intuitif, plus direct. On est orienté résultat, que ce soit Africa Agora, Africa SMB ou Wuzme. D'accord. Et pourquoi? Quelle est l'importance de se mettre en réseau? Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas entreprendre seul. Déjà pour sa propre activité, et ensuite pour pouvoir être connecté et relié aux autres. Mm-hmm. Si vous avez un métier dans lequel vous pouvez avoir un fournisseur, un partenaire, un distributeur, le financier,
ben, c'est déjà un réseau. Donc l'entreprise, elle a besoin d'être en très bon terme avec tous ceux qui font son environnement. Mm-hmm. Mais elle a aussi besoin d'avoir de très bons rapports avec ses clients, oui, ou ses futurs clients. D'accord. Et être en réseau, j'allais dire pour les chasseurs que nous sommes, les entrepreneurs, un nouveau marché, il s'acquiert quand on a été coopté, présenté, introduit par un autre. Mm-hmm. Et ce réseau, il est utile. Si on a été très bon, si on a fait des bonnes références, on gagne du temps. D'accord. À travers les connexions que nous avons pour pouvoir, okay, élargir notre assise. Et comment trouver ces connexions? Comment trouver SMB Forum, Africa SMB Forum? Aujourd'hui, le Africa SMB Forum, donc en ligne, va permettre que toute entreprise qui cherche un partenaire à l'étranger, oui, à l'international, ça veut dire en dehors de son pays, oui, y compris en Afrique, oui, parce que le côté intra-africain business est très important. Nous sommes en retard, hein. Il n'y a que 12 à 13% d'échanges intra-africains. Mm-hmm. Donc, l'idée, quand je veux aller à l'extérieur, hors de mon pays, dans cette plateforme, je trouve les premiers contacts. D'accord. On n'apporte pas les clients à nos abonnés. On leur apporte l'opportunité de rencontrer de nouveaux interlocuteurs, quitte à eux ensuite de faire fructifier ces contacts et de faire aboutir la démarche. Alors, vous lancez justement votre plateforme. Le mois de septembre, ça va être ça. Oui. Ça va être tard. On va mettre en ligne avec ACB Forum qui va permettre en fait que chaque abonné, chaque entreprise, quelle que soit sa latitude, qu'on soit en Finlande, en Australie, au Mali, à Djibouti, au Sénégal, peu importe, on s'abonne en ligne, c'est-à-dire qu'on met en ligne l'ensemble des informations que l'entreprise veut partager. Ce qu'elle fait, le type de partenaire qu'elle recherche, oui, son actualité. Oui. Chaque abonné a la capacité de modifier en ligne, tous les jours si elle veut, l'actualité qu'elle met à la disposition des autres. D'accord. Donc c'est comme ça qu'on trouve en fait soit le fournisseur, soit le distributeur, soit le partenaire financier dont on a besoin. Ce qui nous amène justement à parler de l'importance de la digitalisation dans les entreprises. Et vous savez comme moi que pour l'instant l'Afrique n'est pas au fait de la digitalisation. Alors comment vont faire les entreprises dans ce cas? Alors, comment se connecter? Je dirais qu'aujourd'hui, 90 à 100% des entreprises africaines qui sont tournées vers l'international ont compris la digitalisation. Il y a encore du retard de celles qui n'ont pas encore fait ce chemin-là. Mais quand on veut se connecter à l'autre, dans un autre pays, on fait le minimum. Le minimum, c'est de se mettre sur le web. Le minimum, c'est de présenter ses activités. Le minimum, c'est d'avoir une présence de l'entreprise dans différentes plateformes, comme la nôtre. Donc, cette démarche-là est faite. Avec la COVID et tous les blocages qu'il y a eu dans les voyages, on a compris que la digitalisation était aussi une solution pour accélérer l'internationalisation, oui, la recherche de marchés et de partenaires. Oui. Donc, nous nous apportons au bon moment la solution qui manque à ceux qui ne pourraient pas se payer, par exemple, 4 ou 5 voyages dans l'année pour aller sur les grandes foires internationales, oui, en Afrique, en Asie, en Europe, d'accord, ou en Amérique du Nord. Okay. C'est une solution pour aller plus vite, pour plus comprendre loin les besoins et plus loin. Plus loin, c'est donc réussir à transformer ses affaires. Okay. Alors, l'économie politique, je dis politique, trop de politique, l'économie numérique... C'est un grand marché qui est rendu prioritaire aujourd'hui par la crise sanitaire. Est-ce que vous confirmez cela? Ah oui, je dirais que la démarche du numérique avait déjà commencé auparavant. Mmh. Simplement, la crise sanitaire a accéléré. D'accord. Ceux qui doutaient encore se sont bien rendus compte que pour que le business continue, il fallait être connecté à d'autres. Il fallait trouver en ligne, dans les différents réseaux, dans les réseaux sociaux parfois, l'interlocuteur, l'information. Et on ne peut pas rester un continent que tout le monde envie en restant recroquevillé. Donc il faut que l'Afrique s'exporte. Il faut que l'Afrique, d'accord, cherche des liens, ouvre de nouvelles portes. Et nous, ce que nous faisons, c'est de faire en sorte que on veut ouvrir le monde aux PME africaines. On veut leur dire, quand vous avez une activité, une connaissance, la solution peut-être qui vous manque, elle est peut-être en Finlande, mm-hmm, quand vous êtes entreprise congolaise. Elle est peut-être, quand vous êtes entreprise congolaise, au Gabon. D'accord. Elle est peut-être très loin ou très près, mais c'est en vous mettant en ligne, en recherchant, en présentant vos besoins, que vous y arriverez. Alors, vous êtes un homme de terrain, Dougada, c'est plus... C'est le mot qu'on peut dire. Vous êtes un homme de terrain, et donc, quels sont les besoins des entreprises que vous avez observés? Je dirais qu'au fil des rencontres,
depuis ces années, ça fait une vingtaine d'années que je suis bourlingue. En Afrique, on a trois écueils. Le premier, quand on a une bonne idée, quand on a trouvé un business, un marché sur lequel on veut aller, c'est d'avoir des bons compagnons de route. On ne peut pas avoir une bonne idée et la réaliser tout seul. Il faut avoir des relais, il faut des partenaires. C'est mieux de construire une entreprise à deux ou trois. Oui. C'est quand on a un bon commercial, c'est bon d'avoir un technicien à ses côtés et vice-versa. Deuxième élément, c'est d'avoir l'accès au financement. Et le gros souci, c'est que le retard se comble, mais on a quand même encore un problème d'accès au premier financement pour les entreprises, pour qu'elles puissent avoir accès au crédit ou au capital oui. pour leur développement. On reviendra sur, voilà. sur ça. Et le troisième sujet pour moi, c'est l'accès au marché. C'est-à-dire que pour moi aujourd'hui, la PME africaine, elle peut trouver des marchés en ce qu'on appelle la B2C vers la grande consommation. Oui. Mais si elle est en B2B, si elle est d'entreprise à entreprise, il faut qu'elle puisse avoir accès au marché public. D'accord. Et souvent, les marchés que met l'État et tous les États à disposition ne sont pas, j'allais dire, ouverts aux PME africaines elles-mêmes. Okay. C'est donc un problème qu'on a sur notamment l'accès de la sous-traitance, oui. y compris dans les grands marchés pour les entreprises internationales oui. occidentales. Oui. C'est comment travailler avec le contenu local. Oui, nous allons y revenir justement. J'ai des questions sur le contenu local, sur les contrats PPP. Et pour l'instant, vous avez été au forum Sian à Paris et vous avez été invité. Vous êtes intervenu. Tout à fait. Et donc, qu'est-ce que vous en avez tiré, vous, de ce forum? Alors, je dirais que le Sian, qui est donc le conseil des investisseurs français en Afrique, elle a depuis très longtemps. C'est une vieille maison qui, j'allais dire en ce moment, fait des efforts pour se régénérer et qui a compris dans son thème que pour préparer le devenir des entreprises africaines installées en Afrique, il fallait qu'il y ait des partenaires africains solides. D'accord. Et donc toute la thématique de cette journée a été sur, en face, quel est le répondant? Comment apporter à des futurs clients, à des futurs relais, les forces nécessaires pour qu'elles puissent compétir. Mm-hmm. Si vous avez des partenaires qui ne sont pas dans le jeu, qui n'arrivent pas à, j'allais dire, suivre le rythme, vous perdez des marchés. D'accord. Et je pense que les entreprises françaises, en tout cas à ce forum, ont compris qu'il leur faut des relais localement, et ces relais peuvent et doivent être des entreprises locales africaines. D'accord. Et c'est ce challenge-là qu'il faut réussir à le faire. Et concrètement, qu'est-ce que vous en avez tiré? Ah ben moi, je pense qu'aujourd'hui, on est sur la bonne longueur d'onde. Il y a eu à ce forum, par exemple, le Togo, qui est arrivé avec une très grande délégation conduite par Madame la Première ministre, qui est venue présenter en fait des champs sur, par exemple, la transformation agro-industrielle. Donc un vaste complexe que le Togo a mis en place pour attirer les investisseurs et promouvoir les entreprises locales, pour qu'elles puissent être des fournisseurs. On voit qu'il y a un changement maintenant, on promeut les PME et les TPE. C'est bien ça? C'est que ce sont à elles de se promouvoir aussi. C'est-à-dire que c'est aussi aux entreprises, à nous, les PME, d'aller frapper aux portes, de bousculer, de faire un plaidoyer. Il y a un travail de lobbying et puis il y a un travail de présence de terrain. Exactement. De réseau. Bon. Encore une question sur le Sian ou le Sion. À qui profite le forum? À ceux qui l'organisent. À ceux qui l'organisent. Vous allez sur un forum qui est organisé par le Conseil des investisseurs français en Afrique. Oui. Bah, ils le font pour les intérêts des investisseurs français. Et je crois qu'il n'y a pas de honte à ça. Simplement, il faut qu'à côté de cela, l'Afrique elle-même crée son agenda. Oui. Il ne faut pas toujours regarder ce qui se passe ailleurs en disant ils viennent toujours récupérer des marchés, ils investissent ou pas. L'important, c'est de ne pas laisser la place. C'est-à-dire que quand vous ne bougez pas, quand vous n'agissez pas, quand en Afrique aujourd'hui... Il y a beaucoup de pesanteurs, justement. Mais les pesanteurs, elles sont dues aussi aux administrations africaines. Ailleurs. Mais donc, c'est à l'Afrique, c'est aux États africains d'améliorer de mettre la souplesse, d'être un peu plus digital, oui. d'être un peu plus cohérent. Il y a des pépites, il y a des entreprises qui ont besoin d'être soutenues. Elles ont parfois du mal à accéder à des marchés publics, tout à l'heure oui. j'en parlais. Oui. Mais il faut aussi faire cela. Oui. Rien n'empêche d'avoir un Small Business Act à l'africaine, oui. en fait, d'une préférence mm-hmm. pour les PME sur des marchés, ou en tout cas d'accorder une partie de ces marchés mm-hmm. à des entreprises nationales, moyennes, petites ou grandes, pour qu'elles puissent accéder. Quand
au moment où Aliko Dangote, avec son groupe, a émergé, c'est parce qu'à un moment, le chef de l'État et le gouvernement nigérian a accéléré, j'ai dit là, le financement, l'accès à des marchés, à des grands patrons locaux, d'accord, à des champions nationaux, okay, qui sont devenus des champions panafricains. Ok, alors Bruno Lomer, lors de ce conseil du forum SIAN, Bruno Lomer a lancé un appel aux PME françaises d'aller investir en Afrique, et cela fait suite à l'actuelle politique de réengagement de la France en Afrique. Donc, comment les Français peuvent faire face à la concurrence, notamment chinoise et russe? Il y a plusieurs nationalités encore. L'Afrique aujourd'hui, l'avenir du monde est en Afrique. Oui. Et comment la France peut-elle revenir? Est-ce que ça sera comme avant? Ah ben, comment elle peut le faire? J'allais dire, c'est son agenda. Moi, je défends les entreprises africaines. Et je dis aux PME africaines, vous avez le monde à vos pieds, parfois à vos portes. À vous de faire jouer la compétition et la saine compétition dans l'intérêt de l'Afrique. Qu'on soit avec des partenaires japonais, américains, États-Unis, canadiens, européens, dont français, et avec la compétition à l'intérieur de l'Europe, entre l'Allemagne, la France, l'Italie, le Royaume-Uni, etc. Ou en Asie, ou des partenaires africains sur le continent, nigériens, sud-africains, marocains, kenyans. Ça veut dire que l'entreprise africaine est là. La capacité à avoir des intérêts et des partenaires multilatéraux. À elle de faire en sorte de trouver son intérêt en, j'allais dire, mettant en avant ses besoins, en faisant jouer la compétition. D'accord. Alors, au niveau toujours, puisqu'on parle du forum SIAN, eh ben, je cite un article de Laurent de Saint-Périer au Maxiam 2021 qui dit ceci. La pandémie amène de nombreux industriels français à s'interroger sur une réorganisation de leur chaîne de production afin d'être moins dépendants de l'Afrique. C'est une opportunité du continent africain, les relocalisations. Qu'en pensez-vous? C'est une chance pour la France, c'est une chance pour l'Afrique. Ben, je dirais que c'est une chance que d'autres ont déjà compris. La Malaisie, la Chine a travaillé depuis très longtemps à l'idée d'avoir, j'allais dire, des points de passage en Afrique et d'avoir avec des partenaires locaux. Je pense qu'il appartient, et il a raison, une des chances pour l'Europe en général et pour la France en particulier, c'est que l'Afrique n'est pas loin. Il y a une latitude en termes de fuseau horaire, il y a parfois la langue en commun pour la zone francophone. Et puis il y a, j'allais dire, une histoire, une culture, ou en tout cas des rapprochements possibles. Oui. Donc au lieu d'aller délocaliser sa production très loin en Asie, où d'ailleurs les coûts commencent à se renchérir, ben autant le faire en Tunisie, au Maroc, au Sénégal, au Congo, en Côte d'Ivoire, etc. Okay. Mais pour pouvoir le faire, encore faut-il que les entreprises, les États, les structures patronales en Afrique, oui, s'adaptent pour recevoir ces investissements-là. Mm-hmm. Si vous voulez qu'on vienne chez vous vous apporter un surplus, des capacités, des opportunités, il faut construire une législation adaptée, il faut faire en sorte que l'investisseur soit à l'aise, et il faut que les intérêts des entreprises locales soient préservés. Tout à l'heure, vous parliez de local content, de contenu local, il faut pouvoir exiger qu'une entreprise à qui on a fait une fleur fiscale pendant 4 ou 5 ans, elle soit en droit ou en obligation de faire appel à des sous-traitants locaux et à des fournisseurs locaux. Y revenir, notamment en parlant de fiscalité. Alors là, on vient sur l'actualité économique de l'Afrique. Le dernier bloc, alors question numéro 1 de ce bloc, l'Afrique est en quête de diversité de marché. On avait commencé à parler de ça. Quels sont les secteurs prioritaires? Moi, je dirais que la priorité numéro 1 pour l'Afrique, c'est comment produire ce qu'on consomme. Donc la transformation agroalimentaire. D'accord. Parce qu'il faut industrialiser. Oui. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire des équipements industriels, pour l'instant importés. Oui. Demain, il faut les produire. Oui. Ça veut dire une chaîne d'approvisionnement et de logistique. Donc, ça veut dire qu'il faut tracer les voies, chemin de fer et route, qu'il faut des stockages, y compris de stockage frigorifique d'aliments. Et ça veut dire qu'il faut une industrie performante pour que sur la table des consommateurs, ce soit des produits locaux qui ont subi la chaîne de transformation pour pouvoir être consommée. D'accord. De la terre à l'assiette. Okay. Et de la terre à l'assiette,
Consommer local, les produits locaux. Okay. Pour ça, ça ne veut pas dire qu'il faut fermer la porte à ce qui vient d'ailleurs. Il faut être compétitif dans la production. Et c'est un marché fabuleux que celui de l'agriculture, de l'agro-industrie et de l'agro-business. C'est un des marchés pour lesquels les entreprises africaines, les entrepreneurs devraient se pousser, puisque avec demain 2 millions d'habitants, il faut bien nourrir tout ce monde-là. Il faut bien sûr le loger, il faut bien sûr de l'énergie. Mais le premier élément, c'est la transformation agroalimentaire. Justement, en parlant de marché, il y a un grand marché qui vient de se faire en... ça s'est fait en 2020, donc c'est la zone économique de libre-échange africaine, mise à mal par la crise sanitaire. C'est la question que je vous pose. Elle n'est pas mise à mal, mais moi, la ZLECAF, cette zone de libre-échange, je suis, j'allais dire, j'adhère avec une réserve. L'adhésion, c'est qu'il est temps de mettre en place une zone pour qu'il n'y ait pas de droits de douane entre pays africains, que ce soit un vaste marché pour que les produits puissent passer d'un pays à l'autre et qu'on puisse, de façon très intelligente, travailler à ce que les entreprises en profitent. D'accord. Ma réserve, c'est que quand on rentre dans une zone de libre-échange, si on n'a pas les outils pour jouer la compétition, ben c'est les productions qui viennent d'ailleurs qui prennent le pas. D'accord. Donc, maintenant que la zone a été créée, il faut que les entreprises et les pays, les États, accélèrent le mouvement pour transformer leur économie de telle sorte que, quand je suis entreprise au Bénin, je regarde autour quels sont les marchés pour lesquels je peux compétir. Mmh. Et donc, j'adapte mon système productif pour pouvoir fournir les besoins des pays voisins. D'accord. Et c'est cette stratégie-là, parfois, qui manque, puisqu'on est toujours dans un échange nord-sud, à regarder les marchés, à exporter des matières premières, je dirais, non transformées, alors qu'il vaut mieux avoir sur place, encore une fois, produits transformés, de l'équipement et des produits qui sont consommés par les voisins. D'accord. Nous y voilà, nous voici maintenant au contenu local. Que pensez-vous? Est-ce qu'on devrait en faire un engagement sociétal? C'est un engagement plutôt législatif. Est-ce que j'ai bien posé ma question? La question est bien posée. C'est bien. Non, mais c'est à la fois un engagement sociétal, mais c'est aussi un engagement législatif. Parce que si vous voulez, quand un pays dit, quand vous voulez investir chez moi, je veux que vous puissiez faire en sorte que cela profite aux entreprises locales. D'accord. Mais ça veut dire que le pays lui-même doit faire un effort pour mettre à niveau son système de production. Qu'est-ce que ce contenu local? Ben, le contenu local, c'est de faire en sorte que quand vous avez des investissements qui viennent en dehors du pays, que ça puisse profiter aux entreprises locales en termes de fournisseurs, en termes de sous-traitants. C'est-à-dire que l'ensemble des équipements dont vous avez besoin pour transformer, peu ou prou, viennent du pays dans lequel vous êtes implanté. En termes de ressources humaines également. Ressources humaines également. Encore faut-il, encore une fois, ça veut dire que les États ont un challenge sur la formation professionnelle technique, parce que l'Afrique a un problème en général de ce niveau-là. D'accord. Vous ne pouvez pas attirer des investisseurs, non pas pour le commerce, mais pour la production, pour venir s'implanter de façon industrielle si vous n'avez pas la main-d'œuvre qualifiée. Donc, il y a un travail à faire en termes de formation sur des lignes et des secteurs dont on a besoin. D'accord. Si vous êtes producteur, grand producteur agricole, il vous faut des techniciens, des ingénieurs agricoles. D'accord. Il faut des logisticiens. Il faut des gens qui mettent la chaîne du froid, des frigoristes. Oui. Donc, autant de métiers techniques sur lesquels l'Afrique est en retard. Alors, on s'apprête à aller vers la COP 26. Je vous y serai justement avec... Je serai avec vous, comme j'ai été à Katowice, en Pologne, et à Madrid, en Espagne. Et donc, la question que je vous pose, c'est, comme on a parlé du contenu local, cette fois, on parle du RSE. C'est vrai que... Quelle est la responsabilité sociétale des entreprises? Entreprises africaines et entreprises étrangères implantées en Afrique. Est-ce que quand une entreprise étrangère est implantée dans une zone, notamment en Afrique, elle doit respecter la législation locale. Oui. Et dans les faits, comment ça se passe? C'est aussi aux États de faire ce contrôle. Vous êtes un homme d'affaires, qu'est-ce que vous remarquez, vous? Je remarque qu'il y a toujours des petits malins qui passent par la fenêtre, avec la complicité de l'administration. Oui. Là où ça ne fonctionne pas comme il faut, ça veut dire qu'il faut donc, un, des contrôles sur place, et deux, il faut des administrations qui contrôlent ceux qui sont chargés de maintenir la saine compétition. D'accord. Si dans un port quelconque en Afrique, une marchandise qui vient de l'étranger a des passe-droits et rentre sans payer de douane et inonde des marchés
Et donc, ne permet pas aux entreprises locales de pouvoir elles-mêmes écouler leurs produits. Il y a distorsion de compétition et de concurrence. Okay. Et ça, c'est aux administrations, notamment les ministères du commerce, de s'assurer que l'ensemble des compétiteurs jouent le jeu. Ok, donc on revient sur le financement, on en a parlé. La question que je me pose, Dogal, c'est pourquoi le financement des PME, des TPE et des femmes entrepreneurs, on n'arrête pas de parler, les femmes entrepreneurs n'arrivent pas à se faire financer et tout. Pourquoi ce problème de financement persiste alors qu'il y a de nombreuses initiatives d'institutions financières internationales et africaines pour y faciliter l'accès? J'allais dire que... Qu'est-ce qui se passe? D'abord, une chose, c'est que on ne peut pas être un continent qui prend son destin en main et passer son temps à demander aux autres de venir nous aider. Il y a aussi un point qu'il faut lever. Oui. Il y a en Afrique, sur ce plan de financement, il y a deux écueils. Le premier, c'est comment on capte l'épargne. C'est-à-dire comment on fait en sorte que la richesse produite, elle puisse être mise en place aussi pour soutenir les investissements locaux des entreprises locales. Oui. Ça veut donc dire qu'il faut que le système financier donne envie à ceux qui ont de l'argent, qui en ont gagné de façon saine, de réinvestir dans le pays. Et de le mettre à l'étranger. D'accord. Pour réinvestir dans le pays, il faut avoir des bons d'intérêt. Oui. Il faut une rentabilité de cet argent-là. Oui. Donc, en fait, il faut attirer. D'accord. Le deuxième écueil, c'est comment on collecte. Oui. Ça veut dire on dit comment on rend solvable tous ceux qui sont dans la chaîne de valeur. Même quand vous vendez des produits, des mangues, des bananes ou des oranges au marché, vous payez une patente au marché. Donc la vendeuse, en général, c'est une femme, elle paye une patente. Donc elle paye un petit droit. En général, c'est une femme. En général, c'est une femme. Dans le marché, aujourd'hui, en général, c'est une femme, 90% des vendeuses. C'est important, ça va. Eh oui, mais on le sait, du début de la vie jusqu'à la fin de la vie. Il faut les financements. Mais les financements, ils viendront d'où? Ils viendront de la capacité que l'État a à faire des collectes. C'est-à-dire qu'il faut rendre solvable toute la chaîne de tout ce qu'ils font, ils produisent. D'accord. Il faut donc rendre l'informel, comme on dit, il faut le rendre formel. Oui. Aujourd'hui, les outils informatiques et le digital, donc en fait le mobile money, permet aujourd'hui de donner à tout un chacun, j'allais dire, même ceux qui n'ont pas de compte en banque, peuvent avoir une trace, peuvent avoir une résultante de leurs activités. D'accord. On peut comme ça savoir combien d'oranges j'ai vendu cette semaine, quelle activité j'ai. Et donc, prélever une petite part de contribution pour qu'on ait une assiette, ce qu'on appelle une assiette fiscale plus large. D'accord. Donc l'État peut gagner de l'argent pour qu'il y ait une distribution, une redistribution aux opérateurs économiques. Donc parlons fiscalité. Nous comprenons vraiment bien, Dogal. C'est la question suivante. Selon vous, comment rendre les systèmes africains d'imposition beaucoup plus modernes et plus attractifs? Ils sont modernes, mais on a un souci. Et là, je veux parler comme un membre du CERN que je ne suis pas. Mais les entreprises africaines et françaises installées en Afrique ont pendant longtemps réclamer d'être traité comme les autres et de ne pas être pressurisé. Oui. Pas parce qu'ils sont françaises. Parce que toutes les entreprises internationales, qui sont plutôt des grandes et des moyennes, elles font partie de celles qui gagnent de l'argent. Et donc, les États ont mis en place un système d'impôts, de fiscalité, qui pèse sur ceux qui produisent. Oui. Et on oublie tout le reste. On a concentré, en fait, la fiscalité auprès de quelques entreprises. Donc, j'allais dire 10 ou 15% des entreprises du pays. D'accord. Or, il faut élargir l'assiette. Donc, il faut faire en sorte que tout un chacun paye un peu d'impôts. La patente. Oui. C'est parce que la patente, déjà. C'est ça, la patente. La patente, c'est pour l'utilisation au quotidien, par rapport à la mairie. D'accord. Hein, parce que c'est aussi un système. L'impôt sur les sociétés, la patente, d'autres. Comment faire en sorte de pouvoir, en fait. Les centimes additionnels. Oui, parce qu'en payant un peu, il faut qu'il y ait un retour. Oui. Aujourd'hui, il y a un système, par exemple, il y a un problème dans l'assurance santé et l'assurance maladie des commerçants, des artisans et des agriculteurs. Il y a des gens qui travaillent toute leur vie et qui n'ont pas de retraite. Pourquoi? D'accord. Parce qu'il n'y a pas eu en place un système qui leur permet d'économiser tous les mois, donc de payer, de cotiser, pour que demain, au moment de leur retraite, ils aient quelque chose. D'accord. En cas de maladie, ils puissent être soignés. Okay. En cas d'absence, il n'y a pas de rupture dans leur activité. Ça fait partie des systèmes à mettre en place pour que l'Afrique se dote, j'allais dire, du moyen de faire en sorte que les entreprises locales
est droit au chapitre. On aurait pu continuer, mais nous n'avons pas beaucoup de temps. Et donc, on continue sur donc, le terrain des affaires. Hein. Que proposeriez-vous comme mesure incitative à l'investissement en Afrique? C'est vrai que vous avez déjà, on a déjà parcouru un certain... J'ai balayé quelques sujets, mais oui, oui. Aujourd'hui, je dirais qu'il n'y a même pas besoin d'être incitatif. Quel conseil aux PME africaines et françaises qui souhaitent s'implanter en Afrique? Oh, les PME africaines, je le redis, parce que c'est celle que j'ai dans mon réseau, c'est qu'il faut s'allier. Il faut, parfois, quand on a le même métier que son voisin, autant trouver une manière de partager le capital et d'être plus fort. On est plus fort à deux ou trois que tout seul. Oui. Deuxièmement, il faut pouvoir continuer à être en réseau pour faire un plaidoyer auprès des pouvoirs publics. Et on revient sur le local content. D'accord. Nous sommes dans telle activité. Moi, j'ai des cas précis en tête d'une entreprise minière qui était dans l'Afrique centrale, australe plutôt, et qui, très grand groupe, oui. Et qui avait du mal, qui recherchait l'approvisionnement en eau potable, donc de l'eau, des bouteilles d'eau pour ses salariés, etc. Elle avait un gros marché à fournir. Elle a été obligée, en guillemets obligée, d'aller très très loin pour recevoir de l'eau. Mais ce n'est pas la faute, parce qu'il y a des normes. Cette entreprise, elle ne pouvait pas demander que le fournisseur soit local. Mmh. Elle aurait bien voulu. Sauf que le fournisseur local, ou en tout cas les entreprises locales qui faisaient la production d'eau, n'étaient pas en capacité de respecter le cahier des charges. D'accord. Et donc, moi, ce que je dirais aux États, et les États qui m'écoutent, quand vous avez chef d'État, quand vous avez une entreprise internationale qui vient s'implanter chez vous, si vous n'avez pas dans votre giron des PME capables de fournir cette entreprise, vous allez demander à l'investisseur qui vient de s'allier avec vous pour travailler sur deux ou trois ans à faire monter en compétence les entreprises locales pour qu'elles soient à même d'apporter les produits, les services, l'ensemble des équipements dont l'entreprise qui investit a besoin. Okay. Vous voyez, c'est ça. Oui. Alors, les entreprises, notamment hors d'Afrique, hein, oui. Ils décrivent un certain harcèlement fiscal, le manque de fluidité des conventions fiscales, la rigidité des codes d'investissement. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Votre constat? Ah oui, moi, certains pays d'Afrique gagneraient à avoir un peu plus de souplesse. Oui. Non pas de faire des ponts d'or à ceux qui viennent de l'étranger, d'accord. Mais de faire en sorte qu'il y ait un équilibre. Oui. Il ne faut pas tuer la poule aux d'or. Un investisseur qui vient de loin, étranger, il faut l'accepter, j'allais dire, c'est une aubaine quand il vient investir. Mais il faut le donner en face, il ne faut pas se coucher en fait, il faut le donner en face des exigences. Vous êtes bienvenue dans mon pays, mm-hmm. Les marchés vous sont ouverts, on va même peut-être trouver une solution fiscale pendant 4-5 ans, par exemple, pour des facilités. Mm-hmm. Mais il faut une contrepartie. Et la contrepartie, tout à l'heure, je dis, vous allez participer à la formation des équipes, d'accord. À la montée en compétences. Mais généralement, ce n'est pas respecté, parce que souvent, quand on donne des exonérations de 5 ans, oui. Et ben, il y a certaines entreprises qui vont au-delà et ça s'éternise, justement, les 5 ans d'exonération. Et donc, la contrepartie de cela, oui. C'est qu'il y a des états véritables. S'il y a un état véritable, ça veut dire qu'il y a une direction de la concurrence, de la compétition. D'accord. Et de la répartition des fonds. Et donc, il ne s'agit pas de faire du harcèlement auprès d'un investisseur étranger. Il s'agit simplement de lui montrer qu'il y a des règles et que tout le monde les respecte. Quand je parle avec certains groupes étrangers, sous la confidence, ils me disent, mais oui, mais moi je veux bien que ce soit toujours moi qu'on vient contrôler, d'accord. Alors que l'entreprise voisine, on ne la contrôle jamais. Et souvent, on ne la contrôle pas. Pourquoi? Parce qu'elle-même, elle est liée au pouvoir. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse être du vrai libéralisme, où on met des règles, et ces règles s'appliquent à tous, et à toutes les entreprises, et que l'État soit en mesure de contrôler l'effectivité des règles que lui-même a établies. D'accord. Alors, voici la dernière question de Gaz. Je vous en prie. Nous avons fait très vite on va parler Doing Business, oui. Du rapport Doing Business. Vous savez que pendant le confinement, nous avons vu un communiqué qui datait du 27 août 2020 qui annonçait la suspension de la publication du rapport Doing Business pour des raisons d'irrégularité dans les données. Alors la question c'est, on pourrait douter donc des réalités de ces données transmises et par conséquent de la loyauté du rapport. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je pense que de tout temps, l'Afrique même moderne a connu
un problème qu'elle continue à traîner. D'accord. C'est l'inexistence de la donnée. D'accord. Et il nous appartient de travailler à faire en sorte que l'ensemble des outils numériques dont on dispose aujourd'hui, les informations sur la microfinance, l'organisation des territoires, fassent remonter de la donnée. Oui. Si on a la donnée pour l'assurance, pour les informations sur la santé, sur le mode de consommation, on pourra fournir de façon plus simple de la donnée à ceux dont tu as besoin. Et puis, sans jeter le bébé avec l'eau du bain, il y a quand même des pays dans lesquels, je ne vais pas les citer ici, dans lesquels il y a bien une falsification des données. Puisque le doing business a été érigé en modèle de compétition entre les pays, et notamment l'Afrique, certains pays s'arrangent le droit de falsifier les données, de fournir tout et n'importe quoi, simplement pour grimper dans la hiérarchie. Le doing business, ce n'est pas uniquement le fait d'avoir un guichet unique, ce n'est pas uniquement de faire des facilités. C'est vraiment de laisser les entrepreneurs travailler avec, j'allais dire, une saine compétition. Et donc de ne pas privilégier les uns par rapport aux autres, qu'ils soient nationaux ou étrangers. Parce que cette compétition, j'allais dire, faussée, elle est subie autant par les investisseurs étrangers que par des entrepreneurs locaux qui eux-mêmes parfois ont du mal à émerger puisque il y a des freins qui leur sont mis. Donc, le vrai doing business, c'est comment un pays choisit de créer de la valeur, d'inciter ceux qui veulent entreprendre et ceux qui entreprennent à le faire en toute souplesse, et d'avoir la règle qui soit la même pour tous et pour toutes. Eh bien, merci beaucoup, Doga, d'avoir répondu à toutes mes questions. Aucune question n'est... Je ne fuis jamais les questions. Ben, c'est très bien. La question était précise. Nous avons eu le bac. Merci encore. Et merci à tous de nous avoir suivis. Et je voudrais également remercier le collectif d'artisans congolais du bâtiment en sigle RMB qui nous soutient, qui nous accompagne. Et vous trouverez tous les renseignements sur la barre qui défile sur votre écran. Vous pourrez également suivre cette interview sur le site AFC et sur la chaîne YouTube Carmen Février. Voilà. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.